Miss Côte d'Ivoire, la recherche de l'excellence. Donc, vous voulez me dire que c'est excellence que vous avez cherché cette année-là. C'est ça qui est là. Parce qu'il y a l'impression que l'excellence-là, c'était trop loin pour vous. Excellence était dans un coin noir. Donc, quand vous êtes arrivé là-bas, net, la torche-là s'est cassée. Donc, vous n'avez pas vu l'excellence-là. Miss Côte d'Ivoire, vous donnez la paresse. Oh, vous donnez trop la paresse. Pour faire vidéo sur la même, il était trop paresseux. Pour avoir un peu de peps, même ici, pas aller chercher un peu de coca. Genre, il parle un peu, il boit un peu. Il parle un peu, il boit un peu. C'était trop. Hey, c'était pas chiqué. C'était nul. Hey. S'il y a quelque chose qui était nul, c'est vous. Est-ce que, de toute façon, s'il a dit qu'ils étaient nuls là, est-ce qu'ils peuvent m'envoyer en prison tout ça? La PLCC. Attends, je vais revoir mes droits. Donc, j'ai simplement dit que la cérémonie était nulle. J'ai pas insulté quelqu'un. Non, la cérémonie n'était pas nulle. La cérémonie aurait. Vous aurez pu mieux faire. Vous n'êtes pas nul, mais vous auriez pu mieux faire. Hein? C'est pas nul, mais vous auriez pu mieux faire. Voilà. Et c'est ça que je vais venir décortiquer aujourd'hui. Vous l'aurez compris. Je vais venir décortiquer. Je vais venir donner mon avis sur la cérémonie de Miss Côte d'Ivoire 2024. Donc, abonnez-vous pour ceux qui viennent me découvrir. Moi, c'est Dove. Je suis passionné d'audiovisuel, tout ça là. Donc, Miss Côte d'Ivoire 2024 est un sujet pour moi. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées lors de la cérémonie dont je vais venir en parler. Voilà, merci. Petit Dieu qui est fait là, il y a comment mon énergie est partie. Voilà. Je ne sais pas si vous remarquez un changement. Un changement dans le décor. Ça, c'est tout ça, c'est derrière là. Mais c'est maintenant, monsieur Atipierre, j'ai dit que, attends, mais tes abonnés, mais ton YouTube commence à prendre un peu, tes abonnés commencent à. Tu vois, non? Ton YouTube commence à marcher, donc là. Faut être dans un beau décor. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à tout ça. Donc bon, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le choix du lieu. Ils sont pas dû faire ça au parc des expositions cette année. Vraiment un beau cadre. Un très beau cadre. Franchement, j'ai bien aimé. Il y avait des lumières et tout. C'était beau, c'était magnifique. On peut pas vous reprocher ça. Mais là, le podium là. Le podium, vous voyez le podium des mannequins là. Le podium, il était large, mais le podium des mannequins, il était trop coincé. Le podium, il était trop coincé. Le podium des mannequins où on marche pour partir, je ne sais pas si vous voyez de quoi il parle. C'était trop coincé. Il y a un moment donné, même là, quand ils appelaient les filles, les deux finalistes là, elles étaient obligées, c'est pas les cinq finalistes, mais les deux finalistes, elles étaient obligées de s'aligner comme ça, genre, en verticalement. On ne pouvait pas bien les voir. Hein? On ne pouvait pas bien voir leur beauté. J'aurais aimé que ça soit un peu espacé pour que au moins trois d'entre elles soient devant. Vous voyez, non? Parce qu'on ne peut pas voir bien leur beauté pour les juger là. Donc, j'ai pas du tout aimé. Hein? Si ça vous fait ça là, retournez au Sofitel. Retournez au Sofitel. Et ici, il a parlé aux gens là comme s'il les connaît. Retournez au Sofitel, s'il vous plaît. Parce que un podium coincé comme ça, on ne veut pas. Maintenant, où? Il dit, la RTI, même si c'est vous qui êtes la première chaîne ivoirienne, est-ce que Miss Côte d'Ivoire est obligée de passer sur votre chaîne? Moi, c'est la question qu'elle me pose, qu'elle a qu'à me répondre. Est-ce que Miss Côte d'Ivoire est obligée de passer sur la RTI? Parce qu'on est fatigué, c'est trop, on est fatigué des images d'échographie que vous nous montrez là. C'était quoi ça là? Nous, on n'était pas en Côte d'Ivoire, mais c'était encore pire. Parce que c'était direct de Facebook qu'on regardait, c'était quoi ça là? C'était quoi ça? Ça sautait pas bien. C'était pas bien. Arrêtez ça. On est fatigué. Vous pouvez pas donner ça à Live TV. Live TV va bien faire ça pour vous. Là, vous avez des bonnes caméras. Donc, tout l'argent que les gens payent chaque fois dans sa tue, Renévance RTI, là, ça va ou ça? On a parlé quand pour ce midi. Vous avez bien fait ce midi. On voit bien ce midi. Mais, Miss, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voyez ce côté-là, si vous ne pouvez pas aussi signer un partenariat avec NCI ou Live TV, vous envoyez les caméras. Parce que eux, pour eux, là, c'est bien. Quand eux, ils font les trucs, là, on voit bien. On voit bien. Donc, le choix de la chaîne, je ne veux plus sur RTI. Je veux maintenant Live TV ou NCI. Vous voyez ça?
On va passer maintenant au choix des artistes. Il y a une artiste qui est venue là. Je ne connais pas son nom. Mais j'ai pas trop aimé ses chansons. Je ne sais pas si elle était camerounaise ou bien elle était quoi. Mais franchement, ses chansons ne donnaient pas. Hein. On a parlé de Venom Cascadeur pour dire qu'il est trop agité sur la scène. Mais chanson de Venom Cascadeur, mais il était chic que pour la confier. Non, on va déjà dire ça comme ça. Ou bien, on va déjà dire ça comme ça. Tanti, tu peux mieux faire. J'ai trouvé qu'elle avait du potentiel, mais ses chansons n'étaient pas esquisses, quoi. Voilà, voilà. Voilà, sinon, c'est pas méchant. Voilà, faut t'améliorer, quoi. Il y a eu aussi KS Bloom. KS Bloom, toi, présentation, tu fais d'habitude là, et puis ce que tu as pas dit faire là-bas, c'était la même chose. D'habitude, quand tu danses bien, bien, c'est ça que tu as pas dit faire là-bas. Là-bas, là, tu étais trop. Genre, malin. Je ne file pas photo, je ne file pas photo. Et comment tu faisais? KS Bloom, on t'a pas connu comme ça. Hein. On t'a connu comme quelqu'un qui fait malin, mais quelqu'un aussi qui fait. Genre, quand il est au concert, là, il donne tout. Ça, c'est pas concert, c'est vrai, il y avait des autorités. Mais non, j'ai pas trop aimé. Tu étais trop crispé. Je comprends pas. Je comprends pas, KS Bloom. On t'a pas connu comme ça. Hein? On t'a pas connu comme ça. Maintenant, il y a des gens, ils ont venu dire qu'on voit KS Bloom partout, sauf à l'église. Genre, KS Bloom, il ne devait pas venir chanter dans Miss Quoi, tu vois. Au moins, il n'a pas trop compris la partie là. Ça, il dit quoi ça? C'est où KS Bloom doit chanter? Donc, vous, on vous dit que quelqu'un suit Dieu, quelqu'un fait les choses de Dieu là, il doit se détacher de la société, quoi. Aïe. Donc, KS Bloom, bon, créer Miss Église, il va partir chanter là. Kéré Miss Église, il va partir chanter là-bas. Il y a quoi même? Aïe! Vous n'êtes jamais satisfait. Ils ont envoyé le petit parce qu'il mousse. Il mousse. Tout le monde le connaît à l'extérieur du pays, tout ça. Le concours Miss Côte d'Ivoire, c'est un concours beaucoup regardé à l'extérieur. Donc ils l'ont envoyé, c'est normal. Moi, le choix de KS Bloom, ça ne va pas déranger plus que ça. C'est le fait qu'il ne se donne pas assez sur la scène. Il était moins. C'est ça qui est permis. Sinon, oui, KS Bloom fait du bon boulot. Voilà. Donc, faut te revoir. Si c'est pour faire ça l'année prochaine, ils vont t'appeler. L'année prochaine, il ne va pas te voir là-bas. Il y a un artiste qui est venu là. Il s'appelle Thiaga. Il a la même voix. Bon, en tout cas, moi j'ai retrouvé du Chris Two Boys en lui. Il avait le même thème vocal que Chris Two Boys. Le même style. Je ne dis pas que tu dois changer ta voix, tu dois plus chanter. Mais bon, ça c'est mon ressenti. Hein. J'ai retrouvé du Chris Two Boys en toi. Voilà. Maintenant, Rémi Adan. Moi, franchement, Rémi Adan, je l'avais oublié. Désolé, c'est pas méchant. Je l'avais oublié un peu. Voilà, je l'avais oublié. Depuis son. Depuis le début, tu fais que me négliger. Non, il n'y a pas bon cette fois-là. Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu en quoi m'aimer, puis tu m'as négligé. Je t'ai dit patient, baby. Je sais de l'avenir. Yo, tout écoute, me. Tu entends bien. Depuis ça, là. J'écoute plus sa chanson. C'est mieux. Depuis ça là, c'est fini quoi. Je sais pas. On le voit une fois par an. On comprend pas. Il mousse plus comme avant. On est clair. Fait. Il mousse plus comme avant. Donc il n'est pas trop compris. Bon, peut-être qu'il est parti se relancer là-bas. Mais chanson psychique, j'ai pas dit chanter pour te relancer là. Essaye. Coup de coup là. Essaye, c'est ça. On doit chanter pour se relancer là-bas. Hein? Koutoukou, tu as chanté là-bas. Est-ce que c'est ça qu'on devait chanter pour se relancer? En tout cas, Rémi Adan. Ok, et bien voilà. Ton habit aussi, tu as apporté là. Ton habit, tu as apporté, c'était trop problématique. La veuve noire. C'était trop problématique. Hein? C'était un funérailles de qui? Ah, papa. C'était funérailles de qui là? La veuve noire. Ah, non. J'ai pas trop aimé. C'était trop sombre. On était dans une pénombre. Plongé dans une pénombre, hein? C'était trop lugubre. Vous la y avait un peu trop fort, non? C'était pas lugubre, mais c'était trop sombre, quoi. Voilà. On va passer au discours de Miss. Car l'échec elle-même fait partie de la réussite. Miss Kontugo, l'échec elle-même fait partie de la réussite. Comment ça? L'échec, nom commun. Échec, c'est échec qui est le nom commun. Précédé de la lettre L apostrophe qui représente ici soit le, soit la.
Ici, là, ça représente un. On dit un échec. Donc, c'est le. Normalement, c'est le échec. Mais comme on ne peut pas dire le échec, il y a deux voyelles. Donc, ils ont mis l'apostrophe. Maintenant, où? Donc, on dit un échec. Où? Maintenant, pourquoi toi, tu dis l'échec elle-même fait partie de la réussite? Tu t'es trompé la partie là. On a qu'à te pardonner. Hein? Tu as plus fait. Tu as plus fait, non? Ok. On a laissé. On a laissé. Mais il ne faut plus faire. Faut plus faire les fautes comme ça, non, non. Okay. Donc toi, il était laissé ta partie parce que toi, c'est Miss Bounkani. Lui ont posé quelles sont les attentes de l'État pour garantir l'épanouissement professionnel des jeunes filles, non, je sais plus. En tout cas, elle a répondu à la question. Elle a dit que fallait que l'État lutte contre les discriminations de genre, de sexe. Fallait que l'État mette tout en œuvre pour garantir l'égalité des sexes. Franchement, elle a répondu à la question. En tout cas, j'ai bien aimé sa réponse qu'elle a donnée. Que l'État devait mettre en place des politiques pour garantir le droit des femmes. Yeah! Elle a tué la partie là, elle a tué. Maintenant, Miss. Miss, même qui était Miss là. Miss Komoué. Miss Sud Komoué. Tu as parlé de Joseph Kizerbou là. En tout cas, le message que tu voulais faire passer là, j'ai compris. Le message selon lequel toi tu es une fille, tu es intelligente, tu lis beaucoup, dis quand tu connais Joseph Kizerbou là. Donc, nous tous on a compris. Ça là, on peut pas t'en vouloir dessus. On a compris que j'étais intelligente. Hein? Maintenant, est-ce que tu as répondu à la question? Est-ce que tu as répondu à la question? C'est ça le vrai point. Hein? Attendez. Vous-même regardez. Selon un historien, l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Voilà. Donc moi, je pense qu'on n'a pas répondu à la question. Elle est prête à embrasser une carrière professionnelle. Quelles sont les attentes de l'État? Elle vient parler de l'éducation. L'État doit garantir des quoi, mener l'éducation. Il a donné une publication de Joseph Kizerbou. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Mais ils lui ont demandé, quand elle a fini ses études, et puis elle est prête à rentrer maintenant dans le domaine du travail, c'est quoi elle veut que l'État fasse? Ou bien, pourquoi elle vient parler encore de l'éducation? Elle n'a pas répondu à la question. Selon moi, on n'a pas répondu à la question. Hein? Voilà. Ils n'ont pas dit que quand tu es encore sur les bancs, on dit que quand tu as fini là, et puis tu es prêt à embrasser une carrière professionnelle, hein? C'est quoi tu veux que l'État n'a qu'à faire? Ou bien, c'est pas comme ça que vous avez compris la question. C'est pas... Non, c'est comme ça que vous avez compris la question. Hein? Donc, si c'est ce que moi j'ai dit là, qui est ça, qui était la question, c'est qu'elle n'a pas répondu à la question qu'ils lui ont demandé. Voilà. Si c'est. Quand tu es sur le banc, hein, que tu dois dire ce que tu veux que l'État fasse, c'est qu'elle a répondu à la question. C'est qu'il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce que tu voulais qu'on perçoive de toi, on l'a perçu. Tu es quelqu'un de très intelligente, tu lis beaucoup, et quand tu connais Joseph Kizerbou, c'est pas tout le monde qui le connaît. Le tonton Burkinabé, le tonton Joseph Kizerbou, le docteur, pas tout le monde qui le connaît. Donc si tu le connais, c'est que tu as quand même quelque chose dans la tête. Bravo à toi. Ça, là, on ne peut pas t'enlever ça. Mais côté réponse de question, hein, c'est un peu ambigu. La situation est un peu dantesque. Hein? Ok. La suite, on poursuit. Miss Bélier, toi, ils t'ont demandé à faire de réformes. Toi, tu dis que l'État a déjà mis en place des initiatives. S'ils disent que réformes, là, on dit que qu'est-ce que tu aimerais changer? Toi, tu dis qu'ils ont déjà mis une initiative en place. Bon, là, il n'y a pas trop parlé, c'est bon. Miss Delamy, j'ai bien aimé son calme. Elle était posée. Voilà, calmement pour répondre bien à la question. Sauf que, quand elle a dit qu'elle n'a pas compris la question, les gens commencent à crier. Mais attends. La fille dit qu'elle n'a pas compris la question. Vous commencez à crier. Pourquoi? Elle a raison, elle n'a pas compris la question. Elle veut comprendre la question. Il n'a qu'à répéter. L'animateur aussi, il est là et puis dit que je suis pourtant à côté de toi. Ça là, j'ai pas trop aimé. Eric Mboa. J'ai pas trop aimé. Toi, mais il a oublié de parler de toi au départ. Qui a enlevé même Didier Bleu même? Ramenez Didier Bleu. Le meilleur même animateur de concours de Miss là même là, que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu là, c'est le tonton, Le tonton, il s'appelle comment?
il anime sur Nostalgie. J'ai oublié son nom. Yves Dembélé. C'est le meilleur animateur de Miss que la Côte d'Ivoire n'ait jamais. Bon, à mon âme, à vie, que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Le tonton, il maîtrisait sa chose. Il maîtrisait sa chose. Vous avez déjà entendu qu'il s'était trompé sur les résultats. Il maîtrisait sa chose. Pour trouver son nom, il y a dû boire un peu. Hein? En tout cas, ouais, j'ai aimé bien sa partie. Elle était posée, elle était calme. Elle a répondu calmement à la question que lui ont demandé. Voilà. On va passer au discours maintenant de revoir de l'ancienne Miss. Vraiment, c'était touchant. C'était touchant, mais ça a trop duré. Ah. Ça a trop duré. On dirait que tu voulais pas donner la couronne. On dirait que toi, seulement, tu voulais pas donner la couronne. Mais ton discours a trop duré. Ça a trop duré. Sinon, c'était touchant. C'était touchant. Voilà. Et puis, tu aurais mieux fait de lire le discours. Je pense que tu aurais mieux fait de lire le discours là. Comme ça, ça allait être moins long. Et puis, tu allais avoir les mots adéquats. Parce que tu cherchais un peu trop tes mots. À mon goût, tu cherchais trop tes mots. Voilà, il y avait des petites fautes bizarres qui étaient glissées, mais on comprend parce que j'ai décidé de ne plus lire ton discours. Mais il y avait des petites fautes qui étaient un peu glissées par-ci, par-là. Voilà, donc à revoir. Sinon, bravo pour ton mandat, tu as fait des actions sociales à saluer. Voilà, merci beaucoup. Mais on dirait que je ne voulais pas donner la couronne. Maintenant, résultats, quand ils sont annoncés les résultats, le trio. Miss de l'Amir, on dit qu'elle est deuxième dauphine. Comment ça? Miss de l'Amé qui était posée comme ça. On dit elle est deuxième dauphine. Moi, ça m'a déçu la partie là. Ça m'a déçu même. Non, ça m'a vraiment déçu. Quand ils ont dit Miss de l'Amé est deuxième dauphine, elle est venue s'avancer. On dit que ils ont appelé les deux. La première dauphine et puis la Miss. Que entre les deux, là, il y a la Miss et puis la première dauphine. Là, là-haut. Là, là-haut. À notre grande surprise, on dit que Miss Bounkani n'est pas dans le trio. Miss Bounkani n'a qu'à sortir. Comment ça? Comment se fait-il? Nous demandons à la candidate du Contugo de venir prendre cette place. Une mauvaise organisation. Une très mauvaise organisation. Et puis, ils ont demandé aux organisateurs là, comment ça se fait. Ils disent que c'est Eric Mbois, là, c'est lui qui n'a pas bien lu. Pourtant, avant de lire, là, il a dit qu'ils n'ont qu'à venir lui montrer parce qu'il ne faudrait pas qu'il gagne sa carrière. Moi, je n'ai pas su. Hein. Je pense qu'il y a une petite magouille derrière tout ça. Il ne faut pas dire ça comme ça. La PLC, c'est quoi? PPLC, tu regardes. Non, je ne pense pas qu'il y ait une petite magouille, mais je pense que vous aurez dû être un peu regardant sur cette histoire-là. Ouais, parce que ça se fait pas comme ça en direct. On appelle une fille et puis on lui dit non, retourne à ta place. C'est un peu un manque de professionnalisme. Hein? Voilà. Aux éditions suivantes, va falloir y remédier. Ok? Voilà, merci beaucoup. Sinon, Miss Bounkani même méritait même la couronne. Ça, c'est mon avis aussi. Miss Bounkani et puis Miss de l'Ami, là. Les deux, là. Il y a une qui devait être Miss, il y a une qui devait être Dauphine. C'est mon avis, mon humble avis. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Miss Sud Comoué, félicitations à toi. Félicitations à toi, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Voilà, pardonnez, regardez, likez, commentez et puis voilà. On a la prochaine. Cœur sur vous, bye, bisous. Amenez Didier Blegou.